Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois de mai. Je suis un peu en retard, voilà. Un petit peu comme d'habitude, je dirais. Mais voilà. J'essaye de filmer quand je peux. J'ai que le lundi après-midi habituellement pour filmer quand la petite est à la sieste. Là, c'était mal barré parce que je me suis légèrement endormie en même temps qu'elle. Mais bon, donc, mes colos terminés du mois de mai. Tout d'abord, je suis allée dans l'histoire éternelle où j'ai fait mon premier colo. Voilà, ça y est, je l'ai entamé. J'ai mis une pochette, hein, voilà, je protège mes colos comme ça maintenant, je fais un peu comme tout le monde. Voilà. Donc j'ai fait donc Lilo et Stitch. Est-ce que j'ai noté avec quoi je l'ai fait? C'est pas gagné. J'ai mis mon carnet. J'ai encore bien préparé ma vidéo, comme vous pouvez le voir. Alors, histoire éternelle, Lilo et Stitch. Alors, le fond est fait au néocolor 2. J'ai pris les combos de Ohana pour Stitch. Et pour Lilo, j'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je sais pas, vous allez bien voir. Enfin, voilà, on a... J'ai une fenêtre qui est quand même fermée chez moi parce que bah, y a trop de luminosité sinon. Et j'arrive pas à vous cadrer correctement. Enfin, c'est compliqué là. Hein. J'ai essayé de vous mettre sur mon bureau, mais c'est compliqué vu le bazar. Enfin bon bref. Donc la mousse, elle a été réalisée donc au Prisma, les bulles avec les Artistro et Posca. Ça c'est du prix, oui, le reste c'est du tout est au Prisma sauf avec un petit peu d'Artistro et du Posca. Voilà, c'est ça. C'est la première fois que je faisais Lilo et Stitch. Je vois pourquoi j'ai fait ce colo, je sais même pas. Bon, 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 il est fait, je suis contente. Et voilà, il faudrait que j'y retourne. Bon, vous avez vu hein, le papier à gondoler. Hein. C'était pas. Enfin, je trouve que ça. Il bloche le papier. Je sais pas si vous allez le voir, mais là on voit bien, il bouloche mon papier dès que je mets un petit peu d'eau. Je sais pas si c'est parce que mon pinceau est un petit peu abîmé, mais enfin, bon. Voilà pour le premier colo que j'ai fait pour ce mois de mai. Je vais remettre ma petite pochette plastique. Désolée pour les bruits, hein. Voilà, ça vous fait un peu d'ASMR. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, j'ai fait un petit PDF, donc un Lana Green. Donc, elle s'appelle Girly, il me semble. Donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien de son Etsy. Donc, voilà, j'aime bien. Faire des petits PDF de temps en temps quand c'est pas Mario le Buddy. Voilà. Donc un petit Lana Green que j'ai fait au poli pour la rose, c'est du poli. Les yeux, c'est du poli. Les cheveux, c'est du poli. La tenue, par contre, ça va être. C'est du Prisma. Ah non, c'est du. Brut Fenner Macaron. Excusez-moi. Les petits papillons, c'est du stylo gel. Vous allez le voir. Donc voilà pour cette petite fille. Et le fond, c'est je l'ai pas noté. Ça doit être de l'encre. Je pense que c'est de l'encre. Moi, j'utilise essentiellement les encres AliExpress. J'en ai quelques-unes. Voilà, j'en ai quelques-unes, bah, j'ai plusieurs couleurs. J'en ai plus que celles d'Action, et celles d'Action, je les trouve sèches. Et enfin, voilà. Donc, c'est celle d'AliExpress. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis
retournée dans mon Disney méchant. J'avais peur d'aller dedans. J'y étais allée le mois d'avril dedans pour faire la méchante sorcière et son chaudron. Et je m'étais inscrite pour un colo commun Facebook pour faire la page d'à côté ce mois-ci. Donc j'ai fait Ursula ce mois-ci. Donc j'avais fait celle-ci le mois dernier. Et j'ai fait Ursula ce mois-ci. Je voulais que les deux pages matchent ensemble. C'est pour ça que j'avais fait mon chaudron et mes fumées violettes. C'était voulu. Donc, où c'est ce que je l'ai noté? Alors, j'ai pris les combos de Mademoiselle Disneyland. Et sinon, c'est du Prisma. Il y a beaucoup de stickers. Vous n'allez même pas le voir. Enfin, il y a beaucoup de stickers. Il y a du Derwent Intense pour l'eau. L'artiste Rouault, du Posca. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais voilà, toutes les éclairs, c'est du Stickles. Par-dessus du Prisma. Hein. Mais voilà, la boucle d'oreille, c'est du stylo gel. Voilà. J'ai fait cette Ursula. Voilà. Je suis contente, voilà. Double page, c'est les deux premiers colos du livre. Ils matchent ensemble. Je suis contente. Et je pensais qu'il allait me durer plus longtemps et finalement ça a été. J'aime pas quand les colos durent trop longtemps. Moi. J'aime bien quand ça va vite. Quand je suis productive. Donc voilà. Pour celui-ci. Ensuite, encore un autre colo commun. Là, c'est un trio que j'ai fait avec ma sœurette et Taz Nemocolo. Donc, je suis allée donc dans les vitraux 1. Là, est-ce qu'on va être... On va reculer un peu. Voilà. Donc, voilà, cette clochette que j'ai faite avec... pour le fond, c'est les Derwent Intense. Pour clochette, c'est du Prisma avec les combos Doana Colo. Même si je crois que j'ai un petit peu modifié les cheveux, je sais plus trop. Donc on a du Posca noir pour le tour. Du Posca doré pour quelques... Non, Posca blanc. Posca blanc pour les... Voilà, j'ai un petit peu... J'ai pas fait que du blanc, j'ai fait du doré aussi au niveau des petites particules, mais bon, vous allez pas le voir, je pense pas. Mais bon, il y a du blanc et du doré. Nous avons des stylos gel hybrides d'AliExpress pour faire tout ce qui est vert bleu là. Vous allez pas le voir non plus, tout ce qui est là, c'est du stylo gel hybride. Il y a du Pentel aussi, j'ai mixé, il y a du Pentel et il y a du hybride. Et ça, c'est quoi? C'est de la peinture. Je pense que c'est la Paul Rubens. Vous voyez, je sais pas, je l'ai pas noté, je sais plus. J'ai mis du Stickles aussi bah, dans ses ailes. Du coup, c'est le cristal. Et j'ai repassé avec les traits en blanc. Donc voilà pour ma clochette. Mais oui, là, tout ce que vous voyez de jaune, c'est pas jaune, hein, c'est du doré. Hein. Enfin, c'est du nacré. Je sais plus ce que j'ai mis. C'est pas du stylo gel, je me serais pas embêtée. Non, non, ça c'est de la peinture. Mais je pense que c'est du Paul Rubens. Et voilà pour ma petite clochette. Et le dernier que j'ai fini pour ce mois de mai. C'est un duo avec ma sœurette. C'est le premier dans mon Mystère méchant et mon jeu. C'était compliqué. Et mon jeu que je l'aime pas. Je le trouve complètement raté. Donc ces crochets. Enfin, j'aime pas.
Les cases sont trop petites, ça a été infernal. J'ai eu du mal avec la main. Je trouve que les yeux, c'est trop petit. On n'a pas les détails. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc, moi, je l'ai fait en plus en semi-arrangé. Hein. Mais. Donc, fait avec les brutes funeurs square. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ouais, brut funner, les 180 et les square. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça a été un petit peu compliqué. Le tour, bah, au Posca noir. Hein. Mais voilà pour celui-ci. Mais ouais, c'est... Je suis pas ouf. Je suis pas fan de ce que j'ai fait. J'ai trouvé très très compliqué. Hein. Donc à voir, parce que là prochainement il faut que j'aille dans le princesse. Donc j'appréhende un petit peu là. Hein, faire du arrangé dans ceci, c'est un petit peu. Parce que les cases sont vraiment petites. Et c'est ouais, c'est vraiment petit. Vraiment de la détente. Voilà pour mes colos terminés du mois de mai. Je vais vous montrer mes en cours. Il y en a un, j'ai oublié de vous montrer le mois dernier. Celui-ci, je l'ai en cours depuis un moment, mais j'arrive pas à aller dedans. Donc c'est dans le Main Ways d'Urchen Europa, là. Voilà, de Rita Berman. J'ai du mal. Voilà, je l'ai commencé et j'ai du mal. J'ai toujours pas fini mon Karamakova. Celui-là est en cours depuis tellement tellement longtemps. C'est voilà, mais j'ai pas envie d'y retourner. Enfin, je sais pas. Ça, je me dis que le Clara, c'est vraiment pas pour moi. Autant oui, celui-ci, ça avait été un plaisir. Mais alors là, j'ai vraiment du mal pour celui-ci. Donc, je verrai bien. Mais il faut voir, il va falloir que je m'y mette, mais que, bah, que j'y aille avec du matériel aquarellable, et puis c'est tout, je pense. Donc voilà pour ces deux encours où j'ai du mal à aller. Sinon, là, j'ai quasiment fini, donc c'est celui-ci. Donc c'est un duo avec une abonnée, voilà. Il m'a proposé pour entamer mes deux... Anna Carlson, dans ce format-ci, elle m'a proposé de faire un duo dans chacun. Donc, on a commencé par celui-ci. Donc, c'est l'édition Gip Smith du Forest Kingdom. Donc, là, pour l'instant, j'ai mis ouais, du Neocolor, la palette Paul Rubens, et je teste mes luminances dessus. Voilà. Et il y a du Stickles hein, sur mes champignons. Donc voilà, celui-là, je vais essayer de le finir aujourd'hui. Donc du coup, maintenant, je protège ma page dessus, ma page après et ma page avant avec une pochette. Je me dis, voilà, comme ça, c'est protégé. Parce que à chaque fois que je mets une feuille en papier, c'est une horreur. Donc voilà, je me suis dit, mets des pochettes plastiques pour ça aussi. Et là, je crois que j'en ai, voilà. Il y en a deux. Il y en a même trois, voilà. Ouais. Il va falloir que je les recoupe, par contre, que je fasse différentes tailles de pochettes. Hop là. Donc voilà pour mon encours, qui est bientôt fini. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je suis dans le pâté, moi. Je vais boire mon café. Et je vais continuer de colo. Avant de devoir aller chercher le petit à l'école et de réveiller la petite. Donc je vous dis... À dimanche pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Plein de beaux colos. Ciao !